Salut, c'est Mémé. Et ben, on se retrouve à Chamonix avec Julbo pour le premier jour de Draw the Line, une aventure interactive entre la communauté et les athlètes. Bon, du coup, ça dit quoi son âge, mon vieux? Bah écoute, a priori, vent du dragon, hein. Vent du dragon. Regardez dessous, c'est là que ça part. Allez, tchallo. Non mais là, sérieux, ça fait toujours quelque chose de partir là-dedans. On s'est adapté à la météo. On n'a pas pu aller aussi loin que ce qu'on aurait aimé. Mais bon, on a quand même fait quelques longueurs sympas. On a fait des vents du dragon variations. Alors, Draw the Line, deuxième jour. Alors, une petite nuit au refuge des cosmiques. On va bien rigoler. Alors, le sondage qu'on a fait hier soir, on va aller partir sur la Contamine. Ouais, ça va être nickel. Ça se découvre. On va faire du bon ski. Exactement. Par là-haut. Partie direction Torino. Ce matin, on était au refuge Torino, mais la météo c'était vraiment pourri. Il avait l'orage très fort et après il s'est levé le vent. Donc on est venu chez mon village à faire un peu de la grimpe et demain matin, j'espère d'aller à faire de la vraie montagne. Bravo, top! Mec! Merci François! De rien! Check. Voilà, Draw the Line, c'est fini. 4 journées passées en montagne avec un finish sur le super sommet du Brighthorn. On remercie toute la communauté d'avoir participé à ces échanges tout au long des journées. Et à très vite pour des nouveaux projets. Thank you everybody for following the line. Follow us on Julbo TV! Exactly.